Après l'application des différents critères d'exclusion, nous notons les sociétés sur la manière dont elles gèrent leurs enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance. Cette étape permet de sélectionner dans notre univers de plus de 5 000 entreprises celles qui ont développé les politiques de responsabilité les plus efficaces. Nous regardons plus de 300 critères, tels que les bonnes pratiques de gouvernance ou le respect des droits de l'homme. Nous sommes très attentifs à analyser les impacts concrets des entreprises. On alla au-delà de leur communication. Il s'agit de vérifier les indicateurs réels par rapport au discours des entreprises et de les surpondérer dans la notation ESG. Pour la transition énergétique, par exemple, nous regardons ce que l'entreprise affiche comme objectif sur les papiers, mais surtout les performances obtenues. Ainsi, pour la lutte contre le changement climatique, nous regardons les taux d'émission de CO2 émises et si les entreprises respectent la trajectoire de 2 degrés. Idem pour la diversité. Il ne s'agit pas de s'arrêter aux déclarations, mais de vérifier concrètement le nombre de femmes qui sont réellement au niveau managérial. Dans notre processus CSR, nous surpondérons 4 critères à fort impact ESG. Équilibre des pouvoirs, relations responsables avec les clients et les fournisseurs, responsabilité fiscale et non-discrimination.